Après mes études, j'ai été un an institutrice. Puis j'ai épousé un cultivateur. Mais je savais ce qu'était la ferme, j'avais été élevée à la campagne. J'aimais beaucoup les bêtes. J'avais toujours rêvé d'avoir des bêtes pour moi, pour m'en occuper. Presque toute la journée, je suis seule. Mon mari est au champ et mon fils à l'école. Mon domaine, c'est la maison et la cour. Il y a beaucoup de cultivateurs qui restent célibataires parce qu'ils ne trouvent pas de femmes qui veulent bien venir à la campagne. Moi, je pense que ce n'est pas si désagréable que ça, la campagne, pour les femmes qui savent s'organiser. La part des écritures est très grande. Elle devrait l'être encore davantage. La ferme est de plus en plus semblable à une entreprise où chaque individu a sa fiche, son dossier.
Et puis, il y a les travaux saisonniers. En principe, nous engageons des ouvriers pour la fenaison, la moisson. En réalité, il y a pénurie de main-d'œuvre. Et je dois aider mon mari. C'est pénible, mais c'est agréable tout de même. J'aime bien la vie au grand air. Ça fait un peu de sport et ça vous change des étables et des cuisines. Nous avons parfois des moments très durs. Ce sont des efforts physiques très fatigants pour une femme. L'époque que je préfère, c'est la demi-saison, l'automne surtout, quand tous les gros travaux sont terminés et qu'il fait encore doux. Mais l'hiver dans notre région est triste. T'as vu sûr?
Au début, j'ai assez ressenti l'isolement, mais il faut savoir en sortir. Il faut avoir une activité extérieure. J'ai cherché à faire partie de beaucoup de choses. J'assiste aux congrès, aux conférences, aux réunions. La moyenne Villette de l'année est de 8,11 en première. Si j'allais aller demander des explications d'abord. Au village, je participe du plus près que je peux à la vie de la commune. Je suis conseillère municipale. L'aménagement rural, étant donné que ça fait partie de son travail, de voir les uns et les autres, de voir les maires, de voir les instituteurs, pour essayer d'arriver à savoir un petit peu quelle était l'atmosphère, si vous voulez, les projets les uns et les autres. Alors, tout de même, ça a mûri pendant tout ce temps-là, si vous voulez. Alors, finalement, j'ai proposé aux uns et aux autres de venir à lieu hier. Alors, il y a eu les maires de Bifort, Essis, La Chapelle, et donc moi, les instituteurs, plus M. Zègre et plus Béranger, qui est adjoint à La Chapelle, et en même temps, qui fait partie de la Chambre d'agriculture. Alors, automatiquement, les élèves de Bifort sont en train de faire quelque chose, il fallait le faire rapidement. Le danger ici, c'est le retrait sur soi-même, comme on voit chez beaucoup de fermières qui n'ont plus de contact avec l'extérieur. Il faut savoir s'extérioriser. C'est ce qui manque encore beaucoup à la campagne.